le CHU, bien sûr, c'est trois lettres avec la lettre universitaire, hein, qui correspond donc bien à la formation universitaire, aussi bien des médecins, mais aussi de tous les professionnels de santé que nous formons à La Réunion, donc des étudiants infirmiers, donc avec une école au sud et un institut au nord, une école d'aide-soignants, une école d'ambulanciers, une école de sages-femmes, et bientôt une formation d'infirmiers en pratique avancée rattachée à l'université. Donc toutes ces formations ont un lien avec l'université, particulièrement adossées au CHU. Chaque année, il y a des pratiques différentes demandées aux étudiants infirmiers qui sont faites de façon progressive. Et plus nous allons dans l'apprentissage, plus nous complexifions les pratiques. Et donc pourquoi c'est important de le faire à l'IFSI avant qu'ils partent en stage, c'est de leur permettre d'appréhender le soin, de faire des erreurs, d'aller jusqu'au bout du soin et de comprendre le sens qu'ils mettent derrière chaque choix opéré dans leur pratique. Cette vision de la pédagogie qui autorise l'étudiant à faire marche arrière et de poser des questions, c'est une des nouveautés donc on met en place, on va dire, depuis 2 ou 3 ans dans les instituts de formation du CHU. Et les résultats que l'on a sur l'apprentissage nous permettent d'être optimistes sur les compétences de ces futurs professionnels. Nous sommes par petits groupes, donc déjà on peut s'entraider entre étudiants. On peut s'expliquer les choses entre étudiants aussi lorsqu'on ne comprend pas. Et il y a toujours les formateurs qui sont à disposition lorsqu'on a besoin de compléments d'informations. Ils peuvent nous aussi nous induire en erreur en nous posant des questions pour nous amener à plus de réflexion, à justifier tous nos actes. Ça fait du bien aux étudiants, nous sommes moins stressés et franchement, c'est l'idéal. Il s'agit de personnel spécialisé en anesthésie qui travaille au quotidien en collaboration avec des médecins anesthésistes réanimateurs au sein des blocs opératoires pour réaliser l'anesthésie des patients, quel que soit le type d'anesthésie. Plus communément, on dit que ce sont des personnels qui endorment les patients, mais ils les réveillent également. Depuis 20 ans, on a la chance maintenant que le CHU a permis l'ouverture de l'IRIAD, c'est-à-dire l'Institut Régional de Formation des Infirmiers Anesthésistes, qui permet à tout infirmier diplômé d'État ayant au minimum exercé pendant 2 ans en tant qu'infirmier d'accéder à cette formation et donc à se spécialiser en anesthésie. Pour les candidats qui entrent en formation, la moitié des candidats ont déjà une assurance d'avoir un poste en tant qu'infirmier anesthésiste, puisque ce sont des promotionnaires du CHU. Et pour les autres, c'est la garantie également d'avoir un emploi assuré au bout des 2 années de formation. Le fait de plonger un étudiant dans une réalité virtuelle, c'est pas son environnement habituel, le cerveau va être en stress, et là c'est pas moi qui le dis, c'est de la neuroscience. Hein. À partir du moment où on a de l'émotionnel, on a un peu de stress, il y a des apprentissages, ça permet de plus facilement intégrer l'ancrage. Donc l'étudiant, il va retenir un certain nombre d'éléments. De toute façon, le principe même, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc ça fait partie des outils qui vont contribuer aussi à ce que l'étudiant ait déjà une dextérité, une réflexion, une praxie qui va lui permettre justement d'appréhender le patient de façon plus sereine et qui sera aussi bien parce que le patient il sera aussi rassuré. Les grands enjeux de l'enseignement du CHU de La Réunion, c'est un outil d'attractivité pour fidéliser nos professions paramédicales. On n'a pas de souci d'attractivité majeure sur notre territoire grâce à la performance de l'outil de formation du CHU de La Réunion, c'est de s'adapter aux attentes, aux aspirations de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, une génération connectée, qui aime l'efficacité, la simultanéité et qui est très sensible aux conditions de formation initiale, à l'efficacité de ces formations. Et trois, il faut former également en équipe, mettre les équipes en situation. C'est l'objet du futur centre de simulation en santé qui sera implanté sur la Vallée Blanche à Saint-Pierre à horizon 2026 et qui est financé par l'Europe et la région Réunion.
pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.